Good morgen, Alei, Daniel Sousra, aujourd'hui le Nishmat Chayester, Bat Myriam, ainsi que l'Irfouat, Olivier Israël Shimon, Ben Chayester, Khamshat Myriam, Bat Ruzlena, Ebinimin, Ben Chmiva, Vetor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle, nous étions Maserhet Eruvin, Berek Yud, Mishnah Hei. Lo Ya'amod Adam Birshut Ayachid, Veyashtin Birshut Arabim. Birshut Arabim, Veyashtin Birshut Ayachid. Vechen Lo Yarok. Rabbi Yehuda Omer, Af Mishenit Lashu Koyu Befiv, Lo Yehalech Arba Amot, Ad She Yarok. Dans notre dernier périple de Hérouvin, on parle plus de l'Ilchot de Hérouvin par rapport à comment permettre de porter dans certaines situations. On est revenu en fait sur l'interdit de porter d'un domaine à l'autre, concrètement, toutes sortes de situations qu'on rencontre. Lorsqu'on est confronté à. On est parlé dans le Michel Tressand, par exemple, de déplacer des choses. Depuis le Rishut Arabim jusqu'au Rishut Ayachid, et avec maintenant un nouveau sujet qui va faire sûrement sourire les petits jeunes de 12 ans. Lo Ya'amod Adam Birshut Ayachid, Veyashtin Birshut Arabim. On ne se tiendra pas dans le domaine privé pour uriner dans le domaine public. Soit il par la fenêtre, vous voyez, même les deux de 42 ans, ils rigolent aussi. On ne peut pas se mettre par la fenêtre et uriner par exemple à Shabbat. Transgresse un interdit de la Torah. Si on est dans un Rishut Ayachid et que la rue est un domaine public, un vrai domaine public, mina Torah, il y a ici la parfaite transgression. Il y a un liquide dans le domaine privé qui vous dérange et que vous le jetez dehors parce que vous n'en voulez plus à la maison d'Achon. Vous êtes en train de transgresser un interdit de la Torah parfait, de la Torah, comme le Barthélemy nous rapporte, bien que de manière générale, on transgresse un interdit de la Torah que si l'objet est posé bemakom chashuv dans un endroit. Chachouv, donc il faut en général quelque chose, il faut que l'objet soit posé sur une table, quelque chose qui fasse au moins 4 tfachim sur 4 tfachim, en l'occurrence, et qu'on le pose après, bon, ça va tomber par terre, donc là-bas il y a aussi de toute façon 4 tfachim sur 4 tfachim, mais soi-même on est aussi considéré comme makom chachouv. Le principe, ça c'est, on va pas entrer dedans, mais de manière générale, le principe d'avoir un objet posé sur makom chachouv, parce que faut le considérer comme une place importante. Et l'homme, il est considéré comme lui-même quelque chose de quelqu'un d'important, même s'il ne fait pas 4 ramas sur 4 ramas, 40 cm sur 40 cm, ça dépend de la largeur du ventre, d'accord? En tout cas, on transgresse en ça un interdit de la Torah. Birshut, si on est Birshut Ayachid et qu'on fait Birshut Arabim, ou qu'on est Birshut Arabim et qu'on fait Birshut Ayachid, d'accord? Vechen lo yarok, on ne crachera pas de la même manière. Si je suis chez moi à la maison, je crache, on a le même problème. Je vais moi faire monter mon broc, mon crachat, mon, je sais pas comment on dit, mon glaire, mon... et après je vais l'évacuer sur le Rishut Arabim, je suis en train de porter du Rishut Ayachid au Rishut Arabim, et je transgresse de nouveau un interdit minatora. Attention, nouvelle halakha, Rabbi Yehuda Omer, Af Mishenit Lash Ruko Befiv Lo Yehalech Arba Amot Ad Sheyarok. De même, Rabbi Yehuda enseigne, de même, si le roc qu'il avait dans la bouche, il a été nitlash, il s'est détaché. On va expliquer c'est quoi d'être détaché. En réalité, c'est plus profond. Ça ne doit pas être détaché, c'est qu'il a ramené, il a concentré dans sa bouche pour pouvoir l'évacuer ensuite. Depuis le moment où il a fait monter, itaper, c'est la chaîne de la caméra, il a été mitgalgel, mitaper, il y a plusieurs expressions qui ont été utilisées. Si vous voulez, je vous le répète dans les détails. Hyper, ouais, c'est le mot utilisé. Il a fait remonter. Et maintenant, il a dans sa gorge. Eh ben, il doit s'arrêter et ne plus marcher maintenant plus que 4 amotes. Parce que maintenant, tu as quelque chose dans la bouche que tu as pris dans la bouche. Et si tu es à l'arrêt, et tu vas commencer à démarrer, donc tu l'as déraciné, tu es en train de marcher. On avait déjà évoqué ça. Imaginez par exemple, ma montre, je l'ai dans la main, Birshut Arabim. Tant qu'elle est sur moi, c'est un vêtement, j'ai le droit de marcher avec. Si je l'enlève et je la tiens en main, et je marche 4 amotes, il s'avère que maintenant je suis en train de porter, puisque je ne la mets plus comme un bijou. Même principe aussi avec n'importe quoi, selon Rabbi Yehuda, on va expliquer un petit peu plus après, mais d'abord j'explique l'idée. J'ai donc mon glaire que je vais faire monter. Maintenant, il est là, il est posé dans ma gorge. Si je me mets à marcher pour l'évacuer, c'est-à-dire que je suis en train de le prendre, le transporter pour aller le mettre là-bas. Je suis en train de porter dans la voie publique. Pire que ça, si encore je prenais ma montre et je la mettais dans ma bouche, et que je portais, je ne transgresserais pas un interdit de la Torah. Parce que je porte de manière non conventionnelle, de manière pas logique, on ne met pas une montre dans la bouche. Par contre, le glaire, on transgresse un interdit minatora, ça représente dans le Mishnah Berurah, Shin Nun, Siman Shin Nun, Seif.
Bet Guimel, je crois, un c'est sur l'urine et l'autre c'est sur le glaire. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, Mishenit Lash Ruko Befiv, depuis le moment où il a été détaché, par contre. Un point important, c'est que tant que je n'ai pas encore ramené mon glaire avec intention de l'évacuer, alors c'est une partie intégrante de moi. Je n'ai pas à me soucier de ne pas avoir le nez qui coule ou les yeux qui coulent, je suis en train de porter. Mais dès que je l'ai commandé, je l'ai fait remonter avec intention d'évacuer, alors il s'est détaché de moi. Pire que ça, maintenant, c'est de manière générale, tout liquide, tout glaire, selon Rabbi Yehuda. Le Bar Tanoura, attention, point important. Le Bar Tanoura dit que Anel Hakir Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, mais il y a plusieurs échonimes qui pensent que la halakha est établie comme Rabbi Yehuda. Et c'est rapporté dans le Mishnah Berurah, dans le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Nun, c'est Yves Gimel, en tant que Yesh Omrim, il y en a qui disent, parce qu'il y a des échonimes qui pensent comme ça, qu'il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et que Rabbi Yehuda, il est venu ajouter sur ça, sur Chachamim, en insistant sur le fait que depuis le moment où tu as détaché le glaire, tu n'as plus le droit de marcher dans le Rishut Arabim. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah, j'étais en train de dire que c'est un domaine général à toute la Torah. Que des liquides, les liquides naturels du corps, tant qu'ils sont encore dans le corps, ils sont conservés comme le corps. Dès que je l'ai ramassé dans ma bouche, avec l'intention de l'évacuer, même si c'est pas forcément un glaire, même si c'est pas forcément une muqueuse, ça peut même être de la salive que j'ai réunie dans ma bouche, c'est considéré comme maintenant une partie détachée de moi. Et ça prend un statut, c'est très, très intéressant, c'est surtout dans les Maserhet Kelim, où là-bas, on a déjà évoqué que des fruits, ils ne peuvent véhiculer de Touma que s'ils ont été d'abord mouillés par de l'eau. Même de la salive, elle est considérée comme de l'eau. Si un Kohen, il mange de la Touma, et il mange de la Touma, il mange une date qui était sèche, qui n'a jamais été mouillée, et que ça rentre dans la bouche, la date n'est pas encore considérée comme mouillée. Mais s'il a réuni son roc dans la bouche, sa salive, avec l'intention d'en faire quelque chose, de l'évacuer, il a voulu spécialement réunir plein de salives, comme ça, ça va plus faire mâchouiller, je sais pas, d'accord? Il a eu une intention maintenant. Là, cette intention-là va transformer ce roc comme une partie détachée de lui. Maintenant, le grand chidouche, c'est que même par rapport à Hilchot Yom Kippour, il y a le Sefer Moadim Uzmanim de Rav Moshe Shtenbourg. Il faut savoir, il y a d'abord un Mishnah Berurah dans Siman Tavkuf Zayin, Tuf Tavkuf Samech Zayin. Il y a un Mishnah Berurah qui nous dit que, il dit comme ça, la chaîne du Mishnah Berurah, c'est que dans un jour de jeûne, si on a de la salive qui vient, on a le droit aussi de la ravaler. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donne pas une importance de liquide. D'accord? C'est les mots utilisés par le Magan Avram. Il n'est pas marchive ça comme une boisson. D'accord? Donc du coup, on ne se pose pas de question que tu ravales ta salive, c'est pas grave. Mais si toutefois tu la réunis dans ta bouche avec l'intention d'en faire quelque chose, alors là, cette fois-ci, c'est plus tu la considères comme une partie détachée de toi. Moadim Ouzmanim, c'est rapporté dans le Pisquet Chouvot, je l'ai vu là à l'instant, qui rapporte que Ayom Kippour, en tout cas, il ne faudra plus ravaler la salive si on en a fait ça. On n'est pas obligé de cracher toutes les 3 minutes Ayom Kippour, on ne pas ravaler sa salive. Mais dès qu'on a réuni à l'extérieur, on n'a plus le droit de ravaler. D'accord? Selon Moadim Ouzmanim, j'ai pas vu quelqu'un qui discute sur ça. Mais c'est selon le même principe. D'accord? Dès que le liquide il est chez toi, c'est une partie intégrante de toi. Dès que tu l'as détaché dans ta bouche, il n'est plus une partie intégrante, il prend un statut d'eau, de liquide. Comme on a dit, la date que tu vas manger maintenant, elle va être mouillée par un liquide externe, qui n'est pas toi. Ça va véhiculer l'impureté. Si toi tu vas mettre ton doigt dans la bouche, tu vas la rendre impure. Et voilà, et aussi même principe pour pouvoir continuer à porter dans le rejet d'Arabim. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.